Richard au pays des livres magiques. The Page Master, selon son titre original. La dernière fois, on avait parlé d'un film un peu bizarre appelé Motorama, l'histoire d'un jeune garçon qui vivait une sorte d'odyssée routière au volant de sa Ford Mustang. Et le petit Gus, le gamin de Motorama, nous avait fait un peu penser au petit Kevin, le jeune héros de Maman, j'ai raté l'avion sorti l'année d'avant. Macaulay Culkin, célèbre pour être resté célèbre essentiellement grâce à ce rôle. Et à part ça, plus grand chose, il faut bien l'admettre. Si, un peu quand même. Après Maman, j'ai raté l'avion, il y a eu Maman, j'ai encore raté l'avion. Où Macaulay Culkin avait encore raté l'avion. Et il a aussi été Richie Rich, un petit garçon très très riche. Très 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 riche même. Qui, lui, ne risquait pas de rater l'hélicoptère, puisque c'était son hélicoptère personnel. Dans Casse-Noisette, transformé en Casse-Noisette parce que c'était lui le Casse-Noisette, il a été amené à combattre des souris géantes, mais il a déclaré plus tard qu'il ne s'en souvenait absolument pas. Ah, pendant sa carrière de jeunesse, Macaulay est également apparu dans le clip de Black or White avec son grand ami Michael Jackson, le fameux clip avec tous les morphings. Après tout ça, Macaulay Culkin a pendant un moment davantage fait parler de lui par ses apparitions au rayon faits divers que grâce à ses performances cinématographiques. Et comme la plupart des jeunes enfants vedettes, il a fini par s'éloigner des écrans. Mais il a un jour ressurgi, chantant du Velvet Underground et du Lou Reed au sein du groupe The Pizza Underground. Puis on l'a vu sur France 5 avec des oreilles de lapin pour parler d'Aladdin, le film en carton de son copain Adam Green, dans lequel il jouait. Récemment, Macaulay, qui s'appelait depuis sa naissance Macaulay Carson Culkin, a annoncé sur son compte Twitter, oui on sait X, qu'il avait officiellement modifié son second prénom, et que ce second prénom ne serait plus Carson, mais Macaulay Culkin, et que donc son nom complet était désormais Macaulay, Macaulay Culkin, Culkin. Et à la fin 2023, il a inauguré son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, la 2765e étoile. Gravé simplement au nom de Macaulay Culkin. Et bon, en fait, pourquoi on parle de Macaulay Culkin depuis tout à l'heure? Eh bien, parce qu'en 1994, c'était encore pendant sa période de gloire, Macaulay a été le petit Richard dans Richard au pays des livres magiques, dans lequel il se trouvait projeté au milieu d'une bibliothèque infinie, presque la bibliothèque de Babel de Jorge Luis Borges, parce qu'on a l'impression qu'on peut y trouver tous les livres, bien classés dans des rayonnages interminables. Enfin, Macaulay n'est le petit Richard que pendant un tiers du film, au début et à la fin, parce que le reste du temps, c'est sous la forme d'un dessin animé qu'il vit ses aventures à l'intérieur de la très grande bibliothèque. Et au passage, il ne se ressemble pas vraiment, une fois dessiné, à part les lunettes. Et on n'entend plus que sa voix à partir de ce moment, la voix du vrai Macaulay. Ah, on a oublié de vous dire, la grande faiblesse du petit Richard, c'est qu'il a peur de tout. Et maintenant qu'il est perdu dans la bibliothèque, son seul but, comme le lui avait conseillé le vieux bibliothécaire, c'est trouver la sortie au plus vite, en cherchant les lettres « Exit ». Heureusement, trois amis sont là pour l'aider. Trois gros bouquins, nommés d'après trois grandes catégories de classement d'une bibliothèque. Aventure est un pirate bourru, Horreur est une sorte de Quasimodo ronchonnant, et Fantastique est une fée qui, elle aussi, a son petit caractère. Et tous ensemble, ils vont rencontrer les plus célèbres personnages de la littérature mondiale. De la littérature et du cinéma d'ailleurs, puisque les titres évoqués, ou seulement aperçus, pendant le cours du film, ont tous été adaptés à l'écran et souvent à plusieurs reprises. Tiens, voilà le Dr Jekyll dans son laboratoire, en compagnie de Mr Hyde, ça va de soi. Le capitaine Ahab sur son canot avec son harpon, à la recherche de Moby Dick, parce qu'il l'aura un jour, il l'aura. Long John Silver sur l'île au trésor, et aussi le chien des Baskerville, qui bondit des pages même du livre, la pieuvre géante de 20 000 lieues sous les mers, Gulliver, ligoté par les habitants de Lilliput, Alice au pays des merveilles et sa méchante reine, les mille et une nuits et le tapis magique, Jack et le haricot magique. Tiens, on avait oublié qu'il en existait une version avec Abbott et Costello de Jack et le haricot magique, mais on verra ça une autre fois plus en détail. Et dans Richard au pays des livres magiques, décidément tout est magique aujourd'hui, en plus des œuvres de Stevenson, Melville ou Jules Verne, on aperçoit en passant une tripotée d'autres titres sur les rayonnages de la bibliothèque géante. Du Agatha Christie, du Dickens, du Shakespeare, et même le Magicien d'Oz. Heureusement, on y échappe. Mais aucune trace, par exemple, ni de Histoire d'eau, ni de Pif Poche. Bon, bref, à la fin, Richard trouve la sortie.
les lettres tant attendues, E-X-I-T. Et il n'échappe pas à l'inévitable petite leçon de morale administrée par le Pagemaster, qui n'est autre que le vieux bibliothécaire du début, on s'en doutait un peu. La leçon portant sur le dépassement de soi, tout ça, merci les livres, parce qu'ils t'ont aidé à te dépasser, à vaincre ta peur, etc., etc. Et ouf, il se retrouve enfin sous sa forme originelle de petit garçon. Et maintenant que Richard le peureux, ou plutôt l'ancien peureux, est sorti du labyrinthe de la bibliothèque, il n'a plus peur, merci les livres, etc., etc. Et Richard va pouvoir rentrer chez lui et se plonger, tiens, dans un bon bouquin. Ou alors, dans un des jeux vidéo inspirés par le film. Et si le look du jeu en question vous paraît un peu désuet, n'oubliez pas qu'il date du milieu des années 90. Autant dire une éternité, ou deux. With the Pagemaster games from Pizza Hut, you can relive the fun of the Pagemaster, the adventure, the fantasy, the horror, and get the large pizza, the Pepsi, breadsticks, and more. The Pagemaster meal deal for just $12.99. Be careful when you open it. Ah, on peut dire qu'on nous a vraiment tendu la perche pour nous inciter à vous offrir une nouvelle tranche de pizza underground. Ah oui, c'est vrai. Louride aurait aussi bien pu décider de s'appeler Loulou Ridride.